Le gouvernement burkinabé, dans sa quête de l'amélioration des revenus des populations, a créé le projet de valorisation des petits barrages provalables au sein du ministère en charge de l'agriculture. Lancé en 2018, le provalable vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'accroissement des revenus des producteurs. Les acteurs se sont concertés dès le démarrage du projet pour cibler les chaînes de valeur portant sur les circulations comme le riz, l'oignon, la tomate et le poisson pour faire l'objet de cette intervention. Et à travers les actions que nous déployons, on sent une amélioration en tout cas de la production et également la mise en marché de ces produits agricoles sur le marché. Après 3 années de mise en œuvre, le Provalab a engrangé des acquis sur le terrain. On peut citer entre autres la réalisation de plusieurs ouvrages hydrauliques, des plaines agricoles et des appuis aux activités génératrices de revenus. Par rapport au déversoir, c'est un coût d'environ 44 millions. Si c'est la commune qui devait prendre dans son budget pour réaliser ce projet, on a bénéficié d'un apport de 44 millions comme ça de l'État. C'est énorme. Merci au Provalab et au gouvernement. Et c'est des investissements qu'ils ont mis et c'est des investissements en tout cas structurants. Ici à Tanga, dans la commune de Andemtenga, c'est un barrage d'une capacité d'1 million de mètres cubes d'eau qui est en cours de construction pour exploiter 12 hectares de plaine irriguée. Donc l'aménagement du barrage va nous permettre de cultiver le riz, le gombo, l'arachide, l'haricot vert, les tomates, l'oignon. Ça va permettre de bien nourrir aussi notre famille. Et ça va réduire la pauvreté aussi. Tonda betankawa, bumba et tonda katari. Les portions en haut, bumba font ton pâme, à tchèque, à kawin pina de la zarme. J'ai ma main, y a vieille à libo, y a un tchèque. Moua, sapolo, chien ou, y a vieille à libo, de la katiaque. Ton jiko, parmi de bécan, katin king, choukunti gomie. Les portions en haut, tu deviens un taroua, parfois tu es un choukoum. À Nabadgo et Sourgou, dans la région du centre-ouest, tout comme à Zungu, dans le plateau central, les appuis de Provalab ont permis aux bénéficiaires d'accroître leurs revenus. Ton agnate jardin à Poraï, d'avala ton agnate chien rakouba pour moi. C'est un pas jardin à Mayingé. Andaya chien rakouba, moi, ton jemba hatenga. La jardin à Masson de ton. Ton de cosa, ton man au barrage, tu coma passe. Absido à mana, pibri, la naya ronna la manne. Le bon cosa bon aménagement. À la tonne du canyon, fin et talentienga. Of tout bourdon en pour le tir en bas. Aménagé. Le Provalab nous a aidé avec l'empoisonnement en 2020. Bon, on a eu beaucoup. Et cette année aussi, ils nous ont aidés avec un enclos pour élever les poissons, pour avoir en abondance plus que l'année qui est passée là. Ils nous ont aidés aussi avec des bacs hors sol, là, des amaisons, des pirogues, et des filets éperviers. Bon, nous, sincèrement dit, les pêcheurs de Zungu pensent que vraiment c'est un acquis pour le développement de la commune. Ça nous aide même à avoir des poissons à tout temps et à tout moment. En saison 16, en hivernage, en tout cas, on aura l'occasion d'avoir le poisson. La première phase de mise en œuvre du Provalab a coûté plus de 6 milliards de francs CFA et la deuxième phase est prévue de 2021 à 2024. Il s'agira en tout cas pour ce projet, dans le cadre de sa suite, et de renforcer en tout cas la maîtrise de l'eau.
à travers bien sûr la réalisation des aménagements et la réhabilitation des parages qui sont vraiment très essentiels pour la production. Il y a également les questions foncières également qui sont importantes en termes de prise en compte. Vous savez que les aménagements doivent être sécurisés et dans ce sens, le projet entend apporter encore un appui dans le cadre de l'opérationnalisation des dispositifs dans ce matière, dans ce domaine-là. Le projet de valorisation agricole des petits barrages intervient dans 19 communes du Burkina Faso, réparties dans les régions du centre, du centre-est, du centre-nord, du centre-ouest, de l'est et du plateau central. Pour son financement, l'État burkinabé a bénéficié de l'appui de la coopération suédoise.